nous avons inscrit dans le programme d'action du gouvernement la préoccupation selon laquelle le quinquennat 2016-2021 va consacrer la relance du système éducatif béninois, notamment au niveau du secteur des enseignements maternels et primaires. Depuis son avènement au pouvoir, le président Patrice Talon, à travers le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, n'a cessé de fournir des efforts pour redorer le blason de l'éducation à la base au Bénin. Dans son programme d'action, il a prévu l'amélioration du système éducatif à travers plusieurs réformes stratégiques. À la première loge de celles réalisées, la cantine scolaire. Le bien-être des enfants dans les écoles préoccupe le gouvernement au plus haut niveau. De la maternelle au primaire, la cantine gouvernementale est bien une réalité. C'est une initiative vraiment salutaire parce que ça contribue à la rétention des enfants à l'école. Et il faut dire que de près de 145 écoles à cantine, ça a été doublé, nous sommes passés à 300. Et le besoin se fait toujours sentir. L'année passée, on était à 165 écoles couvertes par les cantines scolaires dans le département. Mais à cette rentrée-ci, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 303 écoles couvertes. Lorsque moi je prenais ici service en 2016, j'avais commencé avec 186 élèves. Actuellement, nous sommes allés jusqu'à 243. Ça veut dire que déjà avec la cantine scolaire, ça a permis aux enfants qui étaient réticents, aux parents qui étaient réticents, d'envoyer leurs enfants à l'école. Pour mesurer l'impact réel de cette mesure sociale et toucher du doigt la réalité, nous nous sommes rendus dans plusieurs départements. Le littoral, le plateau, l'Umé, les collines, la Donga et la Libourie. Nous sommes ici à l'école primaire publique Wobekuga à Parako, une école située dans un village reculé à plus de 150 km du centre-ville. Il est 12h et c'est la pause. Après 4 heures de cours d'affilée, c'est le moment de déjeuner. Devant chaque classe, les apprenants se mettent en rang pour l'hygiène des mains avant de passer à table. Parmi eux, nous retrouvons Noël, prêt à prendre son déjeuner sans pour autant parcourir les plus de 2 km qui séparent son école de sa maison, comme pour la plupart des écoliers. Ma maison est loin d'ici. C'est pour ça que je suis content à manger le riz midi. Je suis content pour la cantine scolaire. Nous mangeons bien et varié. Je suis très content qu'on donne nous la nourriture. La rétention, c'est bien là l'objectif du gouvernement. Avant la rentrée scolaire 2017-2018, le taux de couverture de cantine scolaire était de 30% sur toute l'étendue du territoire national. Mais cette couverture n'était que théorique. C'est là où le gouvernement a dû agir. Ce qui a fait que dans le budget de l'État, alors le montant alloué aux cantines scolaires est passé d'un milliard là, à 7 milliards, qui faisait, disons, une répartition semestrielle de 3 milliards 4 l'an. Et ça, c'est ça qui a permis de faire fonctionner effectivement les 30%, parce que dans les 30%, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cantines scolaires gouvernementales ne fonctionnaient pas. Sur le terrain, les résultats parlent d'eux-mêmes. À des milliers de kilomètres de Wobekuga, c'est également la régale à l'EPP d'Inda Pombor, quelque part à Natitengu dans l'Atakora. Comme à chaque midi, le repas est déjà servi. Un acte hautement à caractère social qui vient combler un vide. Pendant qu'il n'y avait pas la cantine,
on n'arrivait pas à maintenir les enfants à l'école parce que les maisons sont très éloignées les unes des autres. Donc par rapport à ça, quand l'enfant rentrait à midi, il ne pouvait plus revenir. Et la seconde difficulté est que lorsqu'il rentre, il n'est pas sûr de trouver encore à manger parce que les parents sont allés au champ, ils n'ont pas le temps de préparer tout ça là. Donc ce qui était très difficile pour maintenir l'effectif de l'école était vraiment un grand problème. Mais bientôt 2 ans, nous trouvons que nous arrivons à maintenir nos élèves. Au-delà de la rétention, le taux de rendement au plan académique s'est vu nettement amélioré. La cantine a vraiment œuvré pour qu'on ait un bon rendement parce qu'au moins les enfants sont sûrs de rester à l'école. Donc ils ne font plus une longue distance qui va les fatiguer, ils ne pourront plus revenir ou bien ils ne pourront même plus apprendre leurs leçons. Maintenant on a le temps au moins de les récupérer et ils ont le temps aussi de faire des révisions en même temps à l'école, ce qui nous permet d'avoir de bons rendements. Si je prends le cas de CM2, avant j'avais fait un pourcentage de 40,33%. Mais l'année passée, malgré qu'il y avait eu la grève, on a fait un pourcentage de 70,58%. Dès que la cantine est arrivée, il n'y a plus de ce cas-là. On mange, ces enfants-là mangent bien. Grâce à la cantine scolaire, les enfants se donnent beaucoup. Ils sont d'ailleurs régulés. Vous allez les voir déjà à 7h15 ce matin, c'était déjà à 7h15. À midi, ils sont à l'école. Ils mangent, ils restent à l'école et ils apprennent et ça continue. On dit généralement que le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors lorsqu'il y a à manger, lorsqu'on est sûr qu'on a à manger, que le ventre est plein, on peut prêter oreille, on peut écouter ce que l'enseignant ou peut-être autre personne est en train de nous dire. Pour arriver à ces résultats, le gouvernement a dû signer en juillet 2017 un protocole avec le Programme alimentaire mondial pour solliciter ses services d'achat de transport et de mise à disposition des vivres. Dans chaque école cible, le dispositif est mis en place pour assurer aux apprenants 5 fois par semaine un repas sain et chaud. Du comité d'animation et de supervision, en passant par les cuisinières, le magasinier, c'est toute une organisation pour assurer une gestion efficace, efficiente et participative, ainsi que la sécurité alimentaire aux apprenants. Aujourd'hui, les enfants doivent manger le riz au gras. Donc, comme c'est des enfants, mangent à 10 heures, contrairement chez les autres. Donc, vous voyez ici, le PAM est très exigeant sur l'hygiène des enfants. Bon, ici, lorsque le gouvernement envoie les vivres, nous mobilisons la communauté autour des différentes activités de la commune. Parmi ces activités, il y a le volet hygiène, le volet cuisine, le volet jardin, le volet assainissement, tout cela. Nous les sensibilisons. Selon les normes recommandées par le PAM, à la fin de chaque semaine, c'est-à-dire le vendredi, on sort ce que les enfants doivent manger dans la semaine. C'est ça qu'on appelle stock hebdomadaire. C'est ça qui est de l'autre côté. Donc ici, nous sommes dans le magasin qui représente plus ou moins l'entrepôt de l'école. C'est que le magasin doit être à l'image d'une chambre à coucher, bien entretenue. Nous remercions notre président Patrice Talon et son gouvernement pour tout ce qu'ils font pour nos enfants. Nous leur demandons d'être toujours à notre écoute. Une thérapie de choc qui a porté ses fruits. On annonce la couverture de 1600 autres écoles à la fin de l'année 2018. Le jeu en vaut la chandelle. Nous avions prévu qu'à l'échéance 2021, ce taux de 30 ou 31% puisse passer à 51%. Tout au moins qu'un écolier sur deux puisse avoir son repas. Alors, du fait de l'engouement qu'a suscité ce premier programme et du fait de l'intérêt que tout le monde a apporté au programme des cantines scolaires, le gouvernement a pris de l'anticipation, c'est-à-dire est allé plus tôt que prévu. Donc, le gouvernement n'a pas attendu 2021 pour aller à 51% et déjà à partir de la rentrée de septembre 2018, alors le gap de 20% a été comblé, donc on passe désormais à 51% sans plus attendre 2021. Et ensemble avec le PAM, nous projetons encore faire mieux pour que désormais on ne parle plus de malversation, plus de détournement, mais que la cantine fonctionne correctement pour que nos enfants mangent correctement.
Toute chose qui force l'admiration des parents d'élèves, même si l'accompagnement souhaité laisse encore à désirer. Et nous, parents d'élèves, on ne peut que s'en réjouir. On ne peut qu'être content donc, de cette mesure-là qui permet à l'enfant de venir à l'école. Entre la maison et l'école, ne permet pas à l'enfant de repartir pour manger. Donc, voyez-vous, les cantines scolaires sont venues au niveau de la Takora résoudre ce problème. Nous remercions le président de la République, M. Patrice Talon. La deuxième grande réforme opérée par le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire est prévue dans le PAG, c'est bien l'introduction de la langue anglaise dès le cours d'initiation CI. J'ai été très ému par le comportement de mes enfants. Je ne sais pas si c'est la didactique, je ne sais pas si c'est la manière de rendre qui a mis les enfants à mieux cerner le concept, Sinon, les enfants, dans l'ensemble, ont été très très bons. La langue anglaise est aujourd'hui une langue internationale. Et au-delà de cela, nous ne pouvons pas au Bénin être à côté du Nigeria sans pouvoir parler la langue française. Alors, le gouvernement en a fait vraiment une préoccupation inscrite dans le programme d'action du gouvernement et de l'école. Ça, c'est une innovation de taille, prescrite également dans le programme d'action du gouvernement. Donc, c'est quelque chose qui est prévu, c'est quelque chose qui est réalisé et qui continue de se réaliser. Plus de 200 écoles réparties dans les 36 zones académiques bénéficient de cette phase pilote et expérimentale. À cette étape, les écoliers sont initiés à la communication orale. On a prévu cela parce que nous avons constaté que on a appris l'anglais de la 6e en terminale, mais on n'arrive pas à s'exprimer. Donc c'est pourquoi on a voulu enseigner cette langue-là depuis le CI. Et là, lorsque l'enfant acquiert beaucoup de notions de vocabulaire dans la langue, il pourra plus tard s'exprimer. Pour le moment, l'écrit ne nous intéresse pas. Donc on leur apprend maintenant comment prononcer les mots et les gestes en même temps. La tâche n'est certes pas facile, mais grâce à l'engouement, l'engagement et la détermination dont font montrer les apprenants, les résultats sont encourageants sur le terrain. Take a broom. Sweep the floor and collect the refuse into a dustbin. Okay, clap for her. Put your slate on the floor. Good. Where is your slate? Yes, you. Good morning, teacher. How are you? Very well, thank you. And you? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Ramzat. How old are you? I'm 6 years old. Thank you. This is my head. Show me your eyes. This is my ears. Show me your nose. This is my nose. Show me your ears. This is my ears. Show me your mouth. Face à de pareilles prouesses, l'on ne peut qu'apprécier et y croire. Les psychopédagogues établissent que les enfants ont la capacité d'assimiler plusieurs langues à ces âges jusqu'à 10 ans. Là. Bon, voilà. Donc, on a introduit l'anglais. Puisque nous, on a fait de la 6e jusqu'en terminale. Et pour autant, arrivé à l'université, c'est comme si on n'avait jamais fait cette langue. C'est comme si on n'avait jamais appris cette langue-là. C'est une réforme notable parce que ça nous permet de sortir de l'incarcération communicationnelle dans laquelle on était plongé pendant longtemps. Je crois que c'est une bonne chose. J'ai de petits enfants qui en discutent à la maison et ça me fait plaisir. Quelquefois même, j'apprends quelques mots avec eux. Savoir parler la langue anglaise aujourd'hui n'est plus un luxe, mais plutôt une nécessité.
Le but du gouvernement, à travers cette réforme, est de faire de l'anglais l'un des chevaux gagnants du système éducatif béninois à l'échelle mondiale et par la même occasion, s'inscrire dans la dynamique d'un développement intégré et plus ouvert. Et ça, le gouvernement y tient. Toujours dans sa dynamique de rendre plus qualitatif le système éducatif béninois, le gouvernement a décidé en 2016 le retour de la dictée dans le programme scolaire. Elle ne fuira jamais devant aucun dur labeur. Ouais. Mettre foi, je dis. Oh, je crois que c'est, disons, un ouvre de soulagement. Je crois que le retour de la dictée est... Ma foi, c'est une très bonne nouvelle. Et avec ce retour, disons que vraiment, ça va corriger tant soit peu beaucoup de lacunes au niveau des enfants. Et aussi, les enseignants eux-mêmes prendront conscience, n'est-ce pas, de l'enjeu de cette dictée qui fait la fierté aujourd'hui de l'élite béninoise. Pendant ces 10 dernières années, la dictée a été extirpée du programme scolaire. Résultat, le niveau des apprenants a connu une baisse considérable, en croit les acteurs, en décidant de la réintroduire et de l'insérer comme une épreuve à partir de l'examen de CEP 2019. C'est un gage vers la formation d'un capital humain qualifié. Les enfants, ça va corriger beaucoup de choses, surtout l'expression écrite. Quand on parle d'expression écrite, vous-même, vous imaginez ce que cela peut créer comme problème pour les apprenants qui ne sont pas habitués à faire la dictée. Si aujourd'hui, déjà, avec ce retour, les enfants s'exercent déjà à écrire même des mots, ça va corriger beaucoup au niveau de l'expression écrite, où nous avons plus de problèmes. Donc, quand les enfants ne maîtrisent pas le français, il y a de quoi que ce qu'on leur donne comme conseil, qu'ils ne comprennent pas. Donc, ce qui a été fait, c'est pour aider les enfants à mieux cerner les cours qu'ils reçoivent. Donc c'est une initiative salutaire. Tant qu'on veut redorer le blason du système éducatif dans notre pays, il faut vraiment que ça commence par la base, ce que le chef de l'État et son gouvernement ont compris. Donc il faut redorer le blason depuis la base. La SIA l'éducation passe également par la construction d'infrastructures d'accueil et de mobilier. En 2 ans d'exécution du PAG, plusieurs salles de classe ont été construites et réfectionnées. L'école primaire publique à Serobuka est un exemple. Située à plus de 200 km du centre-ville de Djougou, la SIA l'éducation était un rêve lointain dans ce petit village. Mais depuis un an, grâce aux efforts du ministère des enseignements maternels et primaires, le village est doté d'un module de 3 salles de classe. Même constat à l'école primaire publique Yataniga. Jusque dans un passé récent, ce sont ces apatames qui servaient de salle de classe aux apprenants, les exposant à toutes sortes d'intempéries. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un vieux souvenir. Créé depuis 1954, le complexe scolaire dépôt situé en plein cœur de la ville de Parakou a lui aussi bénéficié de quelques bâtiments immobiliers en 2017. C'est une vieille école, des bâtiments ont été construits il y a bien longtemps. Les bâtiments étaient dans un état de délabrement avancé. Il y a aussi de grands arbres dans l'école qui faisaient peur aux parents. Les enfants étaient exposés aux différents dangers. Le gouvernement nous a amené un ouvre de soulagement parce qu'on était confrontés à beaucoup de problèmes. Maintenant, avec le réflexionnement, vraiment, le travail marche. Une grande joie. C'est vraiment quand on revient, on dirait que l'école a été recréée. Donc c'est une bonne joie pour nous et nos enfants. Le gouvernement a été vraiment gentil de ne pas reculer, de poursuivre les efforts qui sont en train d'être faits là. C'est une très très bonne chose. À d'autres endroits, beaucoup d'écoles ont bénéficié des travaux de réfection, comme par exemple l'école primaire publique Sakité, l'école primaire publique Amoussa Kondivier, Malerungo, dans Melokono et au complexe scolaire Boycon, où des travaux de construction sont toujours en cours. Tenant à l'équité et l'accès à l'éducation, le gouvernement a dû mettre les bouchées doubles. En dehors des collectivités territoriales, il y a également ce que nos partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, mettent à contribution en termes de salles de classe. Là également, ce travail-là a été fait, la répartition a été faite également, et les partenaires techniques et financiers, à travers l'accompagnement de l'État béninois, ont pu mettre à disposition
les infrastructures prévues dans ce cadre-là. Alors, nous avions prévu dans le programme d'action du gouvernement et réalisé durant le quinquennat 6 000 salles de classe, n'est-ce pas, ce qui donne une moyenne de 1 200, n'est-ce pas, par an, et réfectionner environ 15 000 salles de classe. Je dois vous dire de façon globale que, en termes de taux de réalisation, n'est-ce pas, jusqu'à à présent, par rapport au point partiel que nous avons eu, nous tournons autour de 80% de taux de réalisation. Au chapitre des réformes, se positionnent plusieurs autres innovations. Toutes les mutations étaient réalisées à bonne date. Les nominations des directeurs aussi ont été faites. Et nonobstant tout ça, là, il faut ajouter à ça la bancarisation des primes. Auparavant, avant 2016, c'était des paiements à vue qui étaient faits. Et par rapport à ça, le gouvernement a décidé que désormais, que c'est des virements bancaires qui soient faits. Ce qui ne se faisait pas auparavant, c'est une première. Vous savez que le budget est annuel. Ça prend en compte l'année civile, c'est-à-dire de janvier à décembre. Mais qu'a fait l'État? L'État a anticipé en faisant une avance de trésorerie du quart, qui est de l'ordre de 1,6 milliard de francs CFA. Alors que le budget total tourne autour de plus de 6 milliards pour la subvention pour les écoles. Et ça participe au fonctionnement des différentes écoles. Et plus loin encore. Nous avions prévu que durant le quinquennat, nous puissions procéder à une gestion améliorée de l'école, c'est-à-dire renforcer le dispositif en matière de décentralisation dans le domaine de l'éducation et faire en sorte que nos écoles puissent être mieux gérées. Et dans ce cadre, nous avons prévu que les dispositions actuelles dans le domaine de la loi puissent être améliorées et permettant ainsi aux collectivités territoriales de s'impliquer davantage dans la gestion de l'école. Ceci est d'autant nécessaire que les communautés à la base ont une part de responsabilité en matière de gestion de l'école. OK? Et nous avons inscrit cela dans le sens de pouvoir désormais redistribuer les rôles. Vous savez, en 2016, dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires, on notait un déficit de plus de 13 800 enseignants. Alors, très rapidement, un travail a été fait. L'État béninois a recruté plus de 3 500 enseignants, ce qui a réduit le déficit de plus de 6 500 enseignants. Le programme d'action du gouvernement et le plan national de développement considèrent que le développement durable du pays ne sera possible grâce au capital humain. Toutes ces réformes opérées, c'est dans le but d'impulser positivement le système éducatif et le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire. Donc le gouvernement fait beaucoup et les enseignants également sont accompagnés comme il le faut. La qualité de l'éducation est un maillon non négligeable et non négociable dans le secteur de l'enseignement. C'est pour cela que dans le programme d'action du gouvernement, un point d'honneur a été mis sur la promotion qui autrefois stagnait à 48%, puisse passer à 75%. Mais le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Dans le domaine de l'éducation, ce qui compte beaucoup plus, c'est le produit final. Ce n'est pas ce que nous avons tout de suite. N'est-ce pas? C'est quel type d'homme nous formons et pour quelle société? Okay. Et ça, soyez d'accord avec moi que ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir tout de suite. Ce n'est pas des résultats qu'on peut avoir tout de suite. C'est sur le long terme. Ça. Donc, c'est après plusieurs années qu'on va constater les efforts qui sont faits aujourd'hui. Donc, pour nous, les perspectives, c'est de maintenir le cap, c'est de prendre conscience de nos insuffisances, c'est de travailler pour combler ces insuffisances-là, c'est de rechercher les voies et les moyens par lesquels nous pourrions faire mieux même que ce que nous disons. La volonté politique aujourd'hui ne fait pas défaut, elle existe. Au-delà des ambitions, c'est que nous avons des convictions
Au-delà de convictions, c'est que nous avons, disons, de la référence. Nous avons des choses qui sont inscrites. Je le disais quand on avait lancé le PH, je disais que c'est un défi que nous sommes lancés nous-mêmes. Parce que nous avons écrit, nous avons précisé des choses, nous avons planifié des choses sur lesquelles nous serons évalués. Donc nous n'avons pas intérêt à croiser les bras. On continue de travailler, on va toujours travailler pour que cela puisse s'améliorer. En 2 ans de gestion, le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire semble retrouver peu à peu ses lettres de noblesse grâce aux nombreuses réformes. Le tridome accès, qualité et rétention, c'est le leitmotiv de président Patrice Talon et son gouvernement qui entendent replacer le Bénin dans sa position de quartier latin de l'Afrique.